Alors, pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? J'ignore qui vous êtes. Georges Van Bruegel, à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je suis producteur belge, n'est-ce pas? Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Ça ne paraît pas poser de problème, ça, monsieur Leblanc. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Vous devez seulement s'avouer que nous ne sommes pas une grosse production et que nous n'avons pas de nos moyens. Si vous relâchez ma fille maintenant, j'oublie tout, ça s'arrête là. Pardon? Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous la gardez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Vous faites erreur, monsieur Leblanc. Alors, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme.